Bonjour à vous, bonjour à tous, bienvenue dans l'Etihad Stadium. Le coup d'envoi est donné, espérons que ce sera un beau match. On sent que cette équipe touche au but, Franck, à plus que quelques points pour être sacré champion. Et les joueurs le savent bien, évidemment. En cas de victoire aujourd'hui, le titre ne pourra plus leur échapper. Dernier petit effort, c'est normal. Touche. L'arbitre qui doit intervenir. Et maintenant Tony Ferrari. Ballon pour Tony Iniesta. Ouais, ça peut peut-être aller au bout. Ah, ce ballon qui rentre, en venant raser la base du poteau. On peut admirer une fois de plus tout le sang-froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Ah, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent hein, souvent lors du dernier geste en voulant trop bien faire. Avec lui, ça paraît tout naturel. Et c'est donc l'ouverture du score 1-0. Touche pas très loin des 18 mètres. Un bon jaillissement du défenseur sur cette interception. Oh, la touche, décidément. Ah, ça, ça fait du bien, sa défense. En jeu. Il est parti trop tôt. Le ballon a été donné trop tard. Le ballon donné au millimètre, attention. Ouais, je le tire. Et c'est au fond. Le buteur qui avait toutes les chances de marquer hein, de cette distance. C'est trop tard pour revenir pour la défense. Et de but à rien, il domine les débats. Et déjà le premier coup de sifflet. Récupère ce ballon dans votre jeu. Ferrari. Un beau duel en perspective. Car le dernier mot pour le gardien. Corner. Ballon loin devant et le ballon qui est sorti en touche. Et on reprend ce ballon de la tête pour le mettre en touche. Le gardien qui tombe son but face à l'attaquant. Alors, on va voir ce que ça va donner ce corner.
dans ce ballon de la tête. Il reprend possession du ballon. C'est récupéré. Elle vient lui prendre ce ballon. Le ballon rendu à l'adversaire. Et ils ont raillé cette belle occasion. Ballon pas trop compliqué à reprendre finalement. Qui fait chavirer les supporters dans les tribunes. Ah, vous avez sûrement devant vous les futurs champions. On peut admirer une fois de plus tout le sang-froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. C'est parfait, il n'y a rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent souvent lors du dernier geste en voulant trop bien faire. Et puis ça paraît tout naturel. Il y a faute. Matuidi, et du gardien qui bloque. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. La frappe, et du gardien, juste ballon de la tête. Et encore un superbe réflexe du gardien. Il a du monde autour de lui, il y a quelque chose de bon à faire. Alors, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Il va tenter de déborder, ça aboutit finalement à cette perte de balle. Il décide de prendre sa chance. Cauchemar de la défense et du gardien. Assez long à surveiller en ce moment, c'est évident. Oh, quel but! Quel but de classe! Il fallait vraiment du talent là pour marquer de là où il était. Et nouveau but et le score qui est déjà de 4-0. L'arbitre a sifflé. Est-ce qu'il y aura un carton? Allez, vite, ça joue. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Oh, cette fois-ci, trop de gardien, il y aura but! C'est dégagé. Bonne abnégation sur cette interception. Matuidi. Ballon pour Tony. Ferrari. Mi-temps sifflé à l'instant.
ont dominé la première période de la tête et les épaules. On espère que les débats seront un petit peu plus équilibrés maintenant. Oh, c'est dommage, cette faute, ça donne un peu plus froid. Carton jaune et surtout un coup franc dangereux à suivre. Le ballon qui circule bien. Et maintenant Tony. C'est contré. Repoussé du point par le gardien. Ah, la parade du gardien. Ah, les fautes à présent. Ah ouais, quand même. Oui, bien pris. Le drapeau s'est levé, il a déclenché son appel de balle un petit peu tôt. Perdu. Ballon pour Tony. À l'équipe visiteuse, elle aura réussi à faire taire le public. Et c'est assez rare pour être souligné. Grosse domination sur le terrain. C'est vrai qu'il n'y a plus vraiment d'ambiance dans les travées. K. Il n'y a pas de quoi crier au scandale. Finalement, l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune. Et après une réflexion, on dirait. Très bonne lecture du jeu là. Et un coup franc à venir. Le ballon qui file en touche. Ferrari. Attention à cette perte de balle au milieu. Allez, à deux, là, il y a du soutien derrière lui. La tête qui n'inquiète pas du tout le gardien. Parce qu'il passe en retrait plutôt qu'une action de but. Et l'arbitre assistant qui a levé son drapeau. Il y avait un boulevard devant lui. C'était trop beau. Ce sera donc une sortie de but. Ce duel au ralenti, une faute qui aurait eu un carton jaune.
phase de possession, qui perdent finalement le ballon. L'occasion peut-être avec cette frappe, mais ça rentre. On sent un gardien qui doute de plus en plus. Ça fait un but de plus encaissé. Oui, encore un. Hein. Faut dire qu'il n'est pas très rassurant pour sa défense. Je ne comprends pas toujours son placement. Ah, magnifique cette trajectoire. Juste sous la barre transversale. 5-0. C'est un match à sens unique. Quelle va être la réaction de l'arbitre maintenant? Par le gardien. Et voilà, ça finit. C'est toujours bon à prendre. Allez, place au ralenti maintenant pour analyser ce but d'un peu plus près. Le gardien qui est un peu malheureux sur cette action. La première parade n'a pas suffi. À 5 buts à 1 au tableau d'affichage. Il y a du spectacle et il y a des buts. Un but qui, même s'il est loin d'être capital, redonne un petit peu de chaleur aux supporters. Disons qu'ils sont conscients de la large supériorité de l'adversaire, mais pour eux, ce but est un peu synonyme d'exploit et c'est bien de le montrer. Allez, touche. Et maintenant Tony. Et la touche, décidément. Subtiliser le ballon. Il centre. Un arrêt, enfin, si j'ose dire. Et il y a eu un petit frisson chez les supporters. Ils en viennent à douter sur chaque attaque, pratiquement. On récupère ce ballon dans notre jeu. Fin de match un petit peu haché. À moins d'un improbable retournement de situation, ils vont donc être sacrés champions dès cette journée. C'est vraiment magnifique ce qu'ils sont en train de réaliser. Ils le tiennent leur titre. Attention! C'est dégagé. Et l'arbitre accorde un coup franc. Qui me permet de revoir ce but. C'est le gardien qui a le dernier mot sur ce ballon. Oui, bonne sortie. Bonne récupération au milieu de terrain. Mathieu Digne. Voilà, c'est bon.